Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance pour ce jeudi 24 février. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, vous avez toutes les informations nécessaires dans la description sous la vidéo. Et maintenant, eh bien, place au tirage pour ce jeudi 24. Alors, on nous parle de tristesse. Tiens, ça me rappelle les énergies de la veille. On nous parle de foyer. Parle de guérison d'âme. On nous parle de printemps. Alors, on parle également de temps. Pas par rapport à cette carte, mais dans les premières cartes, par rapport aux premières cartes, on parle de temps. On nous parle de destinée. Pour moi, il y a une personne avec qui vous êtes destiné, dont il y aura un changement dans la relation d'ici le printemps ou au printemps. On a l'automne, vous voyez, changement, l'automne. Marrant parce que là, on a deux saisons, le printemps et l'automne, sachant que forcément, on est en hiver. Alors, quand je dis que les choses vont changer, soit forcément d'ici printemps ou au printemps. En effet, ça peut être d'ici printemps, mais ça peut être le fait que là, les choses vont évoluer et que d'ici le printemps, il y aura possiblement une concrétisation. Et là, c'est pas une concrétisation avec une personne que vous connaissez pas, mais avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes destiné. On nous parle. Mais vous voyez, je vous parlais du temps. Et eh bien, c'est la dernière carte. Le temps est compté. Et peut-être que justement, c'est parce que le temps est compté que pour moi, il y aura des décisions qui seront prises, je ne vais pas dire rapidement, mais on veut dire, il y a des décisions qui seront prises rapidement, mais en fait, ça ne sera pas rapidement, parce qu'en fait, ça fait un moment déjà. Parce que là, comme je vous disais, cette personne que vous connaissez depuis longtemps, eh bien, c'est pas comme si que vous veniez de la rencontrer et que du coup vous allez hop voilà, vous venez de vous rencontrer, de faire connaissance, c'est la première fois que vous vous rencontrez, et puis dans un mois vous emménagez ensemble, pas du tout. Là c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Comme si que, en fait, c'est un peu comme si que vous avez pris le temps voilà, de la connaître durant 1 an, 5 ans, ou 10 ans, peu importe. Et que là, ben, il est temps d'avancer avec la personne. Vous voyez, je vous dis ça parce que peut-être que vous ne voyez pas de qui on parle. Mais dans les énergies, dans les guidances, voilà, dans les énergies sentimentales, ou dans les guidances du jour, des fois je parle d'une personne qui vous observe. Et là, c'est peut-être justement cette personne qui vous observe. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez jamais croisée, ça ne veut pas dire que vous n'avez que vous n'avez jamais eu d'interaction avec cette personne. Mais que cette personne, lorsque, par exemple, elle discute avec vous, ou lorsqu'elle vous croise, eh bien, en fait, à chaque fois, elle apprenait à vous connaître, mais à votre insu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait voir vraiment la vraie personne que vous êtes, parce qu'elle est consciente et que vous, voilà, vous l'avez déjà vécu, ça. C'est faire connaissance avec une personne et lorsque vous tombez amoureuse de la personne, ben, elle montre un tout autre visage. C'est-à-dire un visage pas très gentil, on va dire. Et là, c'est ce qu'elle n'a pas envie, c'est ce que cette personne ne veut plus. C'est pour ça qu'elle a pris le temps de vous connaître, mais sans que vous ne vous en rendiez compte. Et bien, voilà pour les énergies de ce jeudi 23, non, 24 février, je dis 23, maintenant c'est 24 février. Que le temps passe vite, hein. Passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à bientôt.